Tu dois mettre du 40. T'as grandi. Et ton fils, regarde, tu peux te faire remarquer, regarde, son fils, il fait du vélo dans le décathlon. Ah, mais tout le temps, je l'espère. 39, trop petit. 39, trop petit, c'est dingue. Oh, alors, le 40, c'est good. Ouais, le 40, c'est good. Et ouais, mais parce que t'as les chaussettes. T'aurais le même que ton petit-fils. Non, non, c'est que les bottes, j'aime pas. Mais t'as des grosses chaussettes ou t'as des chaussettes simples? J'ai des grosses chaussettes. Là. Ah, mais c'est bien, comme elles ça, ça permet de savoir. C'est pas des grosses grosses, mais elles sont déjà épaisses. Ouais. Mais les deux, ils marchent avec? Ils marchent avec, j'ai pas besoin de marcher avec. Tu traînes ta chaussure derrière. Alors, tu as trouvé chaussures à ton pied ce coup-ci? Ça te fait des plus petits pieds? C'est limite féminin. En même temps, quand on fait une si petite taille de pied. Bon, ça a l'air un peu chaud, ça va? Ça a l'air trop serré? T'as l'air serré un peu, non? Non, non? Ouais, mais il faut que ce soit un peu serré, sinon c'est pas la peine. Hein. Tu vois? Là. Là? Je suis plus large que là. Mais parce que aussi là c'est desserré et là ça ne l'est pas. Ouais, ouais. Bon, allez, ça ira bien. 40. T'es sûr? Il est où ton pied dedans? Là. Voilà. Ben, ça doit être le pied. Là. Là, il y a du mou là. Ah non, c'est bon, ça va, ouais. Ouais, ça a l'air pas mal. Et au niveau de la cheville, tu te sens comment? La cheville, là, c'est bon, ça tient bien, même si je passe attaché, c'est bien. J'ai t'as pris 38, 38 mais ouais. J'ai pas pris mes grandes chaussettes pour essayer. Ah, tu veux que je t'en prête une? C'est pour ça que je regardais tes pieds, mais je voulais pas te déranger. Non, t'inquiète, je t'en prête une. Le truc anti-glisse, c'est sympa, ça. Moi, j'en ai, et ben. C'est efficace? C'est pas dingue. Ah ouais? Non, c'est pas dingue parce que ça bouge sur la chaussure. Ah. Alors, avec la chaussette, verdict? Attends. Avec ma chaussette qui est tienne. Celles-là sont faites un peu. Après, tu vois, celles qui vont mieux. Ils sont intelligents, les gâteaux, ils mettent un élastique. Ouais, grave. C'est mieux que. Elle défile. Franchement, nickel. Et surtout, l'association survêt plus chaussettes, là. Franchement, je kiffe. Ah là, vraiment, là t'es BG, là. Et le passage où il mange les trucs là, où il boit, il mange le fromage. Elle est limite la route hein, sur l'autre côté. Hein très limite.
Ça va, ça t'angoisse? Ah non, ça m'angoisse pas. Regarde le camion, il y passe. Le plus, c'est de pas se planter et de, ou de pas que quelqu'un te tape dedans. Ouais, c'est clair. Ça, c'est le pire en fait, c'est quand il y a quelqu'un qui te glisse. Et si tu te retrouves là. Et que tu es obligé de faire un geste brusque, du coup, par réflexe. Pour ça. Ouais, parce que tu fais 50-50 quand c'est comme ça. Non? Si tu n'y peux pas pour ça, c'est un peu con. Ah, il y a quand même de la neige dedans. C'est le vent. Ça vient du souffler. Il y a peut-être un moyen d'avoir un petit endroit pour faire demi-tour, mais c'est pas sûr parce qu'avec la, ouais, le déneigeur. Non. Les restaurants sont fermés. Il y en a qui est garé au bord là-bas. Si les restaurants étaient ouverts, on aurait pu, tu vois, parce qu'il était déneigé. Parce que normalement, moi, ouais, je fais demi-tour là sur le côté. Et lui, il a pris toute la place. Il va installer ses chaînes. Là. Ah, il les a. Il les a. Tu vois, lui, il nous gêne. On aurait pu faire demi-tour là. C'est ça. Et regarde. Ouais, faudra essayer. Bon bah désolé pour la mauvaise idée. En plus j'ai regardé la météo. Ça, hein. Ça partait de. C'était un bon truc mais. En plus on s'amuse, on est là à DK, tranquillou, pépère. Rien faire, il y a trop de crottes. Bah. Ça, ouais, c'est les chaussettes. Il y a vraiment trop neige, on peut pas se garer, on peut rien faire. Putain, avec le vent et tout, comme ça fait voler la neige. Et l'autre il cale, il s'arrête au milieu là. Ouais. On est cossé, on est niqué. Hein. Ouais, il patine. Oh mon dieu. T'arrêtes pas. Bébé, faut garder la ligne. Voilà, on est coincé. C'est vrai? Coincé. Ah, l'angoisse. Oh. Reste en avant, Marjo, reste en avant. Ouais. Ça sert à rien, c'est derrière le poids. Bah, il faut mettre du poids devant pour avancer. Pour cramponner. Eh ben, on a passé plus dur. T'as calé? Oh putain, on a perdu les lames. Ouais, mais là, du coup, on a en descente, ça ira un peu mieux. C'est la voiture, quand t'as le cal. Ouais. Ouais, pour redémarrer. Après, moi, j'ai souvent peur. Quand je suis garée, c'est pour repartir après sur la neige. Oh, dire que les gens, ils montent facile ou pilou. C'est ouf. Ah ouais, c'est ouf. Regarde la neige qui vole, là. Ouais. On est mort. Tu aimes tes vacances en Auvergne? Et allez, garde là, j'ai enlevé. Franchement, c'est bon plan en fait. Là, le truc. Prends tes gants. Ça patine hein, avec les chaussettes. Hein. Ça patine. C'est ouf. C'est limite. Hein. Ouais. Mais là, en même temps, allez, t'étais dans la neige de ouf. Ouais. Je suis en train de filmer. Incroyable. Deux copains qui se croisent. Ils sont fait beaucoup, quoi. Peut-être qu'il a. C'est le même que tout à l'heure. Lui, c'est son dada du jour. Il essaie de prendre sa voiture, de faire les courses. Il fait soleil chez nous, j'y crois pas.
téléphone. Ta résistance à la neige, mais c'était combien? 5 secondes? C'est pour ça que je t'ai proposé les gants que tu n'as pas voulu. Ouais, mais c'est ça, avec les mains du sud, ouais. Là, elles sont habituées qu'à la douce chaleur. Ici, nous, on a des mains rugueuses. Elles connaissent la neige et le froid. Si j'habitais ici. Maman, ouais. Une voiture, j'achèterais une 4x4. Ah, moi, j'achèterais pas une propulsion. Ça, je m'en souviendrai. Pour être sereine, parce que si tu habites en ville, tu t'en fous. Ouais, c'est clair, mais c'est ce que je disais à Bastien. Moi, ce que je voulais comme voiture, c'était un 4x4. Et c'est le top quand on habite ici. Mais c'est clair. Après, c'est clair. Ouais. Mais le problème, c'est que je fais quand même beaucoup de trajets. Ça consomme beaucoup. Ouais, mais aujourd'hui, ils font des. Ouais, mais combien il coûte après aujourd'hui? Est-ce que je peux me le payer? Non, mais voilà, c'est ça. T'as les 4x4 spéciales femmes. Non, mais après, il y a des petites bagnoles qui font 4x4 aussi aujourd'hui. Je crois. Ouais. Je dis pas de bêtises. Combien? Ouais, mais je peux peut-être me trouver un petit Renault 5 4x4 ou un petit Fiat. Attends, c'était quoi? C'est un Fiat Panda qui était en mode 4x4? Mais bon, c'est pas confortable du tout et tout. Ah, non, mais c'est clair. Il y a les petits Duster, tout ça. Là, y en a qui sont mais j'ai regardé, mais non, mais je peux pas me l'offrir. C'est cher, oui. Alors, tu peux pas me l'offrir. Tu me fais un cadeau. Elle va peut-être galérer à ouvrir la portière. Elle va pas y arriver. Elle va pas arriver à ouvrir la portière. Eh ben vas-y. Ah si. Elle a tout prévu. 1, 2, 3, 4, 5. Mais bah, si t'as fermé la clé aussi. Ah, t'es trop mignonne. Et voilà, nous avons tous les besoins vitaux. De l'apéro et du PQ. Ils ont des plantes et des trucs. Non, je le sens pas en fait. T'as flairé une bonne odeur?